Sarah nous disait que l'esclave qui ne veut pas se défaire de ses chaînes ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, si nous refusons comme un seul homme de chasser ces maribonds au pouvoir, nous allons le regretter plus tard et nos enfants vont payer le prix. Raison pour laquelle aujourd'hui, je demande au peuple digne et conscient du Burkina Faso, Burkinabé de tous bords, épris de justice, de paix et de vivre ensemble, jeunes, femmes, anciens, Burkinabés de ville et de campagne, il est temps, oui, il est temps aujourd'hui plus que jamais pour retrouver notre dignité perdue et notre quiétude. Pour la reconstruction de notre cohésion sociale déchirée, pour la restauration d'un Burkina de justice et de paix, pour un arrêt immédiat de la liquidation de notre patrimoine commun, pour que les fils et filles retournent au travail ensemble, pour la restauration de l'intégrité de notre territoire et pour mettre fin à nos cris, nos pleurs et nos douleurs de chaque jour. Je vous demande à tous, jeunes, femmes, hommes, anciens, gardiens de nos traditions coutumières et religieuses, tous ensemble debout, debout, debout pour apporter notre soutien indéfectible à notre frère, à celui qui est aujourd'hui capable de nous faire sortir de cette situation invivable que nous subissons actuellement. Tous ensemble, debout, debout pour une alternance démocratique qui répondra aux aspirations légitimes de notre peuple. Ensemble comme un seul homme, apportons notre soutien indéfectible à celui qui a la volonté, la capacité, la carrure, l'intelligence de nous sortir de ce trou. Tous ensemble, soutenons la candidature de Kadré Désiré Ouédraogo. Ensemble avec Kadré Désiré Ouédraogo, disons non à la non-assistance de notre armée par le pouvoir corrompu, moribond, mouta-mouta du MPP. Ensemble avec Kadré Désiré Ouédraogo, disons non à l'échec de vivre ensemble et de cohésion sociale de nos communautés par des massacres. L'exemple de Yirgu, de Nafona et j'en passe. Ensemble, disons non au sacrifice de l'espoir de la nation par la fermeture de plus de 500 écoles. Ensemble, avec Kadré Désiré Ouédraogo, disons non à la gabegie des ressources de l'État, vu le train de vie de l'État aujourd'hui augmenté à 50%. Vu le train de vie de l'État aujourd'hui augmenté à 50%, où le chef de l'État et sa suite veulent circuler maintenant en talisman, parce que le Burkina Faso est plus riche que les États-Unis. Ensemble, avec Kadré Désiré Ouédraogo, mettons fin à ce régime MPP qui n'est autre qu'un véritable chaos, un échec pour notre patrie. Kadré Désiré Ouédraogo, l'espoir de refaire vivre notre Faso. Kadré Désiré Ouédraogo, l'espoir pour retrouver la dignité perdue et notre quiétude. Kadré Désiré Ouédraogo, pour la reconstruction de notre cohésion sociale déchirée. Kadré Désiré Ouédraogo, pour la restauration d'un Burkina de paix, de justice, d'amour, de tolérance. Jeunesse du Burkina Faso, levons-nous tous la main dans la main. Ensemble, levons-nous, apportons la victoire à Kadré Désiré Ouédraogo pour mettre fin à cette misère jamais connue de notre peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Merci camarades, merci peuple du Burkina Faso. Votre fils bien-aimé, Ismaël Sogo, est toujours à vos côtés.